Ça va, tu te sens ouais, bien? Ouais, ça va. Ouais, voilà. Moteur. Ça tourne. Je sais pas si un bon personnage, c'est forcément un personnage auquel le lecteur s'attache. Par exemple, je pense à Tintin, où on préfère souvent Tournesol, ou Haddock, ou on préfère Obélix à Astérix. Donc j'ai pas de recette miracle pour faire un bon personnage, mais je pense qu'il faut qu'il ait des faiblesses aussi. Il faut pas qu'il soit parfait, en fait. Vanda peut paraître quand même comme une femme justement dominatrice et assez cruelle avec ce pauvre Sacha Mazoc. Mais en fait, j'ai voulu quand même à certains moments la rendre un peu attachante justement pour montrer un petit peu toutes les facettes de l'être humain. Sacha Mazoc, on a à l'esprit justement son nom, donc qu'a donné le masochisme. Donc on imagine forcément que ça va être quelqu'un de très sulfureux, alors que c'est pas du tout ça en fait. C'est plutôt un écrivain qui a eu des écrits sulfureux dans sa jeunesse et qui se laisse rattraper par tout ça plus tard. En tant qu'autrice, c'est d'arrêter de nous parler de l'écriture féminine qui est à part et tout. Je pense qu'il faut passer à un nouveau stade. Il faut pas nous réduire justement uniquement à notre sexe.